friend, so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid of, give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gorgeous. Take a chance on me. It's magical when you are close. Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est le makeover de mon office, notre office à domicile. Alors pour ceux et celles qui me suivent, cette chambre là c'était la chambre auparavant de mon fils. C'est la plus petite chambre. Alors à l'étage nous avons trois chambres. Une chambre vachement plus large, ça c'est la chambre des filles. Elle partage une chambre et Joshua a maintenant la chambre d'invité et j'ai récupéré la plus petite chambre pour y faire notre bureau office à domicile. Alors j'espère que vous allez aimer ce petit makeover. C'est de la fourniture déjà existante, j'ai rien acheté, mais j'ai un mini hall de chez Temu, comment on dit ça, et ouais, j'ai craqué, j'ai fait des petits achats, articles office et tout, trop mignon, que je veux partager avec vous. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour le makeover de mon nouveau bureau. Regardez-moi ça, mes décorologues. Il est à peine 16h, 16h15. On allume déjà les abat-jour. L'hiver déprime, surtout moi, je deviens une flemmarde durant l'hiver. Je sais pas si c'est le fait que je vois moins la lumière du jour, je sais pas, mais c'est déprimant. Le soleil se lève tard, 7h30 du mat et se couche super tôt, je vous dis. Déjà 16h, à peine les enfants rentrent de l'école, 16h30, bam, darkness. Il fait sombre à l'extérieur, je vous dis. Bon, on n'a pas le choix, on continue. On sait pas quoi porter. Mes pyjamas, on s'habille normalement, on ne sait pas, moi c'est pyjama. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés, les meubles à vitrer, c'est un meuble de chez Ikea. En fait c'est one unit, moi je les ai séparés et entre deux j'ai mis cette table de console de chez Amazon. Alors ça c'est pour faire le setup de mon bureau. Je trouve que je pourrais utiliser ces armoires pour y mettre la déco, du rangement, hein, toutes mes bricoles et tout. Alors c'est ça, comme j'ai dit au début, c'est rien de nouveau. Toute la fourniture, ça fait au-delà de 5 ans que je l'ai. Les seuls articles que vous allez voir de nouveau, c'est le mini hall là de chez Temu, hein, que j'ai acheté. Alors c'est ça, Ernest m'a finalement mis des étagères. Il a manqué une car je voulais mettre mes folders là de toutes nos histoires, de tous nos documents. Et mettre tous nos sacs, tous mes équipements de filmage. Ah, entre deux. Mon trépied s'est cassé. Alors, si vous voyez un peu la vidéo, là, je filme trop bas, trop haut, trop... Et j'ai pas de trépied. Là, je vous dis, j'ai galéré pour cette photo. Enfin, pour cette vidéo. J'ai pas de trépied. Mon trépied s'est cassé avec la rénovation du salon. Je sais pas, ça a trébuché, ça s'est cassé. Même cette étagère-là, ça vient de chez Wayfair. Elle est trop bien. C'est une combinaison de bois et métal. Je vais l'utiliser pour mettre de la déco, des magazines. Alors, ça va être un office fashion, genre et tout. Hein. On va essayer. On va essayer. Hein. Épuré, pimpasse, des objets naturels, du blanc et tout. Je vais vraiment garder l'office simple, pas encombré. C'est ça, quoi. Vraiment une déco esthétique. Ce meuble vient de chez Ikea, il est trop pratique. Hein. C'est de la collection Alex, hein, pour ceux qui sont intéressés. Il vient avec 6 tiroirs, les tiroirs sont très larges
et profond. Hein. C'est trop bien pour le rangement et aussi au niveau esthétique. Hein. Tokos. Alors, ce qui est bien, ça vient avec des roues. Tu peux le stationner ou le laisser circuler comme un chariot. Alors, je l'aime trop. Ça fait des années que je l'ai et ça m'a jamais déçu. Désolée, 5 tiroirs, je m'excuse. Hein. Depuis je fais la voix haute, je fais que de répéter 6 tiroirs, 6 tiroirs, mais en fin de compte, c'est 5 tiroirs. Alors là-dedans, je vais ranger tout ce qui est crayons, marqueurs, efface, hein, tout ce qu'on a besoin pour un office. Alors comme il était un peu abandonné, je veux bien le nettoyer avec un chiffon microfibre et du savon à vaisselle. Espérons que toutes les tâches et tout, parce que je l'utilisais pour mon rangement bricole. Alors c'est pour ça qu'il a pris autant de saleté. Au Dollar Tree, j'ai trouvé ces séparateurs. Je vais essayer de remplir les tiroirs avec. Ça permettra de ranger mes articles, hein, tels que mes crayons, stylos, marqueurs, fusils à colle, etc. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que ça venait en lot, en fait. Par exemple, 3 pour 1, 2 pour 1. Alors, c'est ça. Espérons que ça rentre bien dans les tiroirs et que je peux le refermer. Alors, j'étais vraiment surprise que, ouais, ça a bien... Ça a bien rempli le tiroir, fallait juste que des fois que je le tourne un peu, que je change un peu la direction, mais sinon ça fait l'affaire. Ce que je veux faire, je veux chercher papier adhésif à double face, comme ça je vais les coller directement sur la base du tiroir pour qu'ils arrêtent de bouger, parce que là vous voyez à chaque fois que j'ouvre le tiroir, ça fait que de bouger, ça se déplace, mais sinon pour le coup et pour ce que je veux faire avec, ça tient le coup. Hein. Alors sur Amazon, ils en vendent en acrylique, mais ceux-là, je vous dis, on n'a pas beaucoup c'est pour le coup et le montant, je trouve que le montant de conteneur, je trouve que ouais, c'est bien, mais j'en voulais plus en fait et je voulais pas trop dépenser. Alors pour tout ça, je pense que j'ai dépensé 19$. Ce bureau que je viens tout juste d'entrer, je vous dis, il est plus vieux que mon aîné. Alors parmi tous les meubles de cette pièce, ce bureau est le plus ancien. Je l'avais acheté, il était noir, je l'ai peint blanc au fil des années et jusqu'à là, je l'aime en blanc. Alors je vous dis, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Alors c'est le temps pour un nouveau bureau, mais comme je vous dis, c'est pas le moment maintenant. Alors tout ce que je vais faire, je vais le recouvrir de contact paper, motif marbre, pour juste, vous voyez, pour lui donner un peu une nouvelle esthétique, mais sinon c'est ça. Alors le contact paper là que vous voyez, je l'ai acheté aussi au Dollar Tree pour $1.25. Ça fait l'affaire, hein, c'est juste un bureau. Je mets mon ordi et puis je bosse, rien de grave. Hein. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas grand, il n'est pas petit, il est parfait pour la pièce. Souvent, quand on achète un grand meuble et tout, après ça, tu ne peux plus passer. Alors celui-là, il a une bonne dimension, ça fait l'affaire. Pour la déco, j'ai « shop my home hein, », comme on dit. J'ai magasiné à la maison, j'ai rassemblé plusieurs objets décoratifs. Alors, j'ai gardé les couleurs principales, dont vous pouvez le voir, hein, le brun clair, en fait, du pimpas, comme le tapis, hein, le blanc, et puis je veux aussi incorporer du vert. Alors, je me suis limitée à 3 couleurs principales. Je vois que c'est suffisant et pas trop de couleurs non plus, mais c'est ça. Alors, une déco épurée, minimum 3 couleurs. Onze나 깨 있어 숨해
모든 게 다 통하니까 Feels like daydreaming 너와 있을 땐 난 I love my life 사라지지만 나의 전부 The chemistry 이상 너무 the two 힘들었을 때마다 늘 함께했던 너 눈이 마주쳤던 그 순간 생각을 공유해 우리 둘 사이의 텔레파시 바라보고 있는 날과 Alors c'est parti pour mon rôle Temu, Temi, corrigez-moi, je ne sais pas comment tu dis ça, Temu, Mi, Mi, O, Temo, Temu, on ne sait plus là, on ne sait plus. Alors j'attendais le deuxième package parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient diviser ma commande en deux parties. Alors c'est ça, alors j'ai commandé des petits gadgets et tout pour mon bureau. Si vous êtes intéressé, laissez-moi savoir, comme ça je vous partagerai le lien. Je veux pas faire la pub car ça, j'ai payé mon propre argent, il y a rien de sponsorisé là. Tous les articles que j'ai commandés sont en bas de 10$. Je pourrais dire le plus cher était à 11$ et quelques. Alors c'est ça, je voulais juste me faire plaisir et essayer cette compagnie, hein. On a beaucoup qui ont déjà commandé et ils ont été satisfaites. Alors moi, j'ai dit pourquoi pas tenter mon coup. Alors j'ai commandé des stylos, hein, ils sont vraiment esthétiques. Vous voyez un peu les couleurs pastel et tout. Ça, en fait, c'est pas les stylos. Ça, ce sont des highlighters, des marqueurs. Par la suite, vous allez voir, j'ai commandé des stylos. J'ai vraiment aimé la couleur, ça joue avec mon thème, hein, couleur pastel et tout. Ce conteneur aussi, je l'ai utilisé, j'ai pas trop aimé, il est en plastique et il est déjà en train de me faire une petite problématique. Alors là, c'est un ouvre-enveloppe ou ouvre-boîte, vous voyez quand tu reçois des cartons et tout, hein, si t'as pas envie d'utiliser des ciseaux ou des ongles, ben c'est ça en fait. Alors c'est un cutter, c'est un couteau pour couper les cartons. Alors, les articles que j'ai achetés, je vous dis, c'est vachement pas cher. Hein. Je voulais vraiment, vraiment tenter ma chance, voir un peu... c'était quoi, en fait, Temu, Temi, c'est ça, alors, ouais. En gros, j'ai aimé d'autres articles, la qualité n'était pas trop top. Mais encore une fois, je suis vraiment allée avec des articles pas chers. Hein. Je ne voulais pas trop dépenser non plus. Mais il y a certains articles qui m'ont beaucoup plu. Et puis, je vais vous dire exactement ces articles. Quels étaient les articles qui m'ont plu? Alors là, j'ai commandé cette petite lampe. Elle est en forme de souris. Si par exemple, tu travailles tard et puis tu n'as pas envie d'allumer la lumière, ben, je peux allumer cette petite lampe-là. Alors, je n'ai pas de AAA battery. Ça prend des batteries AAA. J'en ai pas. Alors, quand je vais en acheter, ben, je vais l'alimenter. Alors, ça, c'est les stylos maintenant. Tantôt, c'était les marqueurs. Ça, maintenant, c'est les stylos. Vous allez voir, c'est un peu les mêmes tendances. Couleur pastel, neutre et tout. J'ai vraiment kiffé les stylos. Ça fait vraiment esthétique. Tu mets ça sur ton bureau. Hein? Tu fais genre design et tout. C'est trop beau. Ça, c'est une encre pour couvrir tes données personnelles. Par la suite, j'ai pris ce nettoyant 2 en 1, nettoyant éponge pour les écrans ordi et cellulaire. Je vais vous démontrer ça plus tard. J'ai commandé 2 brosses pour nettoyage à clavier. Des petits trucs tels quels, hein. Rien de grave. Et il y avait une décorologue qui m'a demandé de vous montrer comment je fabrique mes propres bougies. Alors, j'ai commandé ces silicones. Ils ont de belles formes. Alors, on va tenter de faire de belles bougies avant les fêtes, espérons. Alors, c'est ça. J'ai trouvé vraiment sympa. Regardez-moi ces formes. Hein. Alors, on va faire des bougies. Alors, ça, c'est les silicones que j'ai commandés. Ça, ce sont des supports adhésifs que tu colles sur les murs, ton bureau. Et puis, tu accroches toutes tes extensions pour pas que ça trimballe de partout. Mon article coup de cœur après les stylos et marqueurs, là, couleur pastel, c'est cet aspirateur nettoyage bureau, je vous dis. Je l'avais vu sur TikTok, j'ai kiffé, j'ai dit non, il faut que je le commande. Et comme par hasard, je l'ai trouvé sur le site Temu.
Alors, c'est ça, c'est un vacuum, un aspi pour nettoyage de bureau. Hein, souvent, quand on a des miettes et tout, on mange et tout. Alors, regardez, ça aspire les miettes. J'ai trouvé ça trop sympa, trop pratique. Alors, ça, c'est l'article le plus cher. Je pense que ça m'a coûté 11,50. Mais je kiffe, hein, ça fonctionne trop bien. C'est vraiment satisfaisant de l'utiliser. Au début, je pensais que c'était pour nettoyer, mais non, ça aspire vraiment. Je n'ai pas eu l'idée de vous le démontrer, par exemple, prendre des miettes ou quoi, mais je le ferai à l'avenir. Hein. Si, par exemple, je fais un nettoyage de mon bureau et tout, mais c'est un aspi pour surface bureau, hein, des petites surfaces telles quelles. C'est trop pratique. Alors, continuons notre mini-roll. On est presque à la fin. J'ai pris ce petit humidifier pour bureau. Il est trop mignon. Regardez-moi ça. Et par la suite, j'ai pris des conteneurs en acrylique tels quels. Ils sont trop stylés. Hein, l'esthétique de ça, un transparent esthétique, sont trop beaux. Alors, pour mettre les fichiers et tout. J'ai craqué sur une couleur, vous savez, moi et le vert olive. Hein. Alors, l'autre, vous allez voir l'autre petit conteneur que j'ai acheté, celui-là. Regardez-moi la couleur. Oh, c'est un bijou! Hein, le doré et puis le vert olive, j'ai trop kiffé. Alors ça va aller sur le bureau, je pourrais mettre un peu de tout. Alors là, pour le moment, je vais mettre des papiers mouchoirs. Hein. C'est des papiers mouchoirs portables que je mets dans mes sacs ou quand je vais au bureau, quand je vais à l'office. Hein. Ben, j'en mets un dans mon sac, alors c'est ça, regardez, c'est trop stylé. J'ai cette petite poubelle que j'avais achetée, je pense, à Giant Tiger. Hein, ça va bien avec le tapis, les pimpasses. Hein. J'ai vraiment essayé de coordonner ma déco avec le reste de l'esthétique de la pièce. Hein. Je pense que vous allez apprécier cela. Et ce que je n'ai pas mentionné, je compte aussi faire un mur accentué, là, juste derrière les deux meubles. Je compte mettre du papier peint. Je ne veux pas trop dire, mais j'ai envie de donner un peu ce focus dans la pièce et mettre un beau cadre là. Là, je vais faire un beau DIY. On va faire ça prochainement. Prochainement. Alors, c'est ça. Alors, continuons l'aménagement de l'office. Alors, vous voyez comment c'est satisfaisant. Alors, chaque conteneur aura son article. Alors, j'ai mes câbles, mon papier adhésif, mon agrafe. La liste continue. Alors, l'organisation de ça. La vidéo tire à sa fin, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ce petit makeover vous a plu, vous avez aimé, vous avez apprécié l'esthétique de ça. Hein? Vous voyez comment j'ai coordonné les couleurs. Hein? Vous avez le pimpasse, le brun clair, le blanc, le vert. Alors, c'est ça, moi, je kiffe. Mon nouvel espace bureau. Je suis vraiment productif dans cet espace et pour cela, j'apprécie énormément. Alors, comme je vous ai dit, j'ai envie de créer un mur accentué. Là, juste là, quand tu rentres là derrière ces deux armoires, il y aura un beau papier peint là, mat et tout, avec un beau cadre. Hein. Prochainement, on va faire ça. Rien n'est perdu. Alors, merci encore une fois d'être ici. Alors, n'oubliez pas avant de quitter, likez la vidéo, laissez-moi des pouces en l'air. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, Brada Sista. Soutiens ta sœur, hein, soutiens ta sœur, ça me fera gravement plaisir. À la prochaine, bye!